Vous allez aujourd'hui ma vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de cette vidéo en trois étapes. La première, les builders, enfin, une seule builder, une seule dessinateur, dessinatrice. Pas pu trouver beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage. Donc, du coup, on va. On se concentre déjà sur ces personnes-là. Voilà. Ensuite, une dernière chose avant qu'on se quitte. Enfin, qu'on se quitte après cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, il y aura bientôt d'autres vidéos qui sortiront. Et voilà. Donc, commençons. La buldeuse que je voulais vous présenter s'appelle donc Robacha. Elle fait donc des super costumes, super bien, de superbes fursuites, avec un super pelage. Elle offre ça à des prix, je pourrais pas dire des prix en toute concurrence, mais elle fait de superbes costumes à des prix qui semblent corrects, qui semblent normales, je pense. Après, je peux pas, comment dire si il y a certains prix qui sont normaux pour d'autres. Enfin, moi, je suis pas très bien la personne avec qui faut se renseigner au niveau de ça. Mais je peux vous conseiller déjà elle pour ses costumes qui sont, on va dire, à ce que j'ai vu, génial, génialissime. Pour savoir comment. Quelle est sa méthode pour le travail tout seul? Je vous laisserai dans la description le lien où elle a été présentée avec Tisha Geiger. Je vous laisserai aussi le lien de son site dans la description. Là. Là. Vous verrez dans son site, tout est renseigné dans son site, les prix, qu'est-ce qu'elle fait principalement? Voilà. Alors, les dessinateurs. En dessinatrice, justement. Une seule personne que je vais donc vous conseiller, qui pour moi, elle me fait justement du super dessin. Celle-là, par exemple. Celle-là, ici. Où. Ah. Je veux la voir normalement. La dessinatrice en question s'appelle Daoru Dragni. Je n'ai que le lien de sa page Facebook qui est pareil dans la description. Si vous êtes intéressé pour le dessin, allez la voir. Elle fait de superbes œuvres, de magnifiques œuvres. Et à des prix, les autres dessins que je vous montre du coup dans la vidéo, ou dont j'ai pu en commander plusieurs de cette sorte. Il y en a notamment certains auxquels vous avez dû voir passer dans certaines de mes vidéos. Maintenant, passons à un truc auquel je voulais en parler un petit peu aussi longtemps. Et plus certains en ont déjà parlé. Comme on entend certains dire, certains se plaignent que des conventions telles que la Fantastique, la FDL, l'Euroférence, toutes ces conventions-là, enfin, surtout en ce qui concerne les jeunes qui ne puissent pas venir dans les conventions pour des raisons que je comprends moi-même tout à fait. Si j'avais encore eu mes 18 ans, je pense que ça aurait été pareil pour moi, j'aurais été un petit peu. Ça m'aurait un petit peu attristé de ne pas venir, même si encore pour moi c'est encore limite. Alors, pour certains qui se disent c'est pas juste, que dans quelques jours j'aurai tel âge, je vais vous dire un petit truc franco, on va dire. Les conventions fleuries comme la Fantastique, comme la FBL, comme ces conventions-là sont, on va dire, sont un petit peu pareilles que d'autres conventions. Il y a les conventions, c'est surtout pour les jeunes, les conventions comme la Japan Touch, comme la Manga Galaxy,
La Japan Expo, la Paris Games Week, la PGW, quoi. Les autres conventions, ok, c'est vraiment tout public. Et ces conventions-là, vous en dites quoi? Non, parce que c'est libre accès. Et comparé, on va dire que les conventions comme la Pôle Plastique, la FDA et tout ça, ça regroupe surtout beaucoup plus des furies, quoi. Et je dis pas ça pour dire, oh, c'est pas bien, c'est pas ça. Non, non, non. Je dis surtout que si vous pouvez pas venir à des conventions furries, pourquoi n'allez-vous pas dans les conventions de manga, les conventions faites pour que tous les passionnés dans tout ce qui est le gaming, dans tout ce qui est tout l'univers du manga et tout ça, et qui est sur le cosplay, tout l'univers du cosplay aussi. Et pour moi, moi c'est justement ça que je voulais voir avec vous, c'était savoir. Si vous ne pouvez pas aller dans une convention furry, allez dans une autre convention. Le temps que après vous puissiez venir et comparer aux conventions furry, aux conventions d'univers cosplay et tout ça, il y a un petit peu déjà des petites possibilités. Si vous êtes donc jeune, comme moi on va dire, peut-être pas. Si vous êtes donc jeune, vous pouvez être accompagné par vos parents pour pouvoir participer justement à ces conventions. Et puis, les conventions fleuries sont un peu pareilles que les autres conventions. Dans les conventions fleuries, on a des organes. Dans les conventions telles que la Japan Touch et tout, on a des milliers de stands, plein de milliers. Regardez ça. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, surtout. C'est ça le truc. Il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que le temps que vous ayez l'âge pour aller à une convention, c'est de profiter des autres conventions qui sont à la portée de tous. Et comme j'ai dû le dire aussi tout à l'heure, je ne me rappelle plus très bien. Si pour vous, les conventions de cosplay et tout, pour vous, c'est pas trop furry. Pour vous, c'est quoi alors? Et puis surtout, en particulier, c'est vrai que dans les conventions furries, on voit surtout que des furries. Si vous voulez que voir des furries et pas autre chose, là, je peux rien pour vous. Mais si vous voulez voir quand même des furries et que ça ne vous dérange pas de voir d'autres personnes, d'autres choses ou quoi, les conventions comme la Japan Touch et tout réunissent des furries, réunissent d'autres personnes. Donc moi aussi, je participe pour les conventions, enfin, quand j'ai la possibilité. Voilà. Et pour vous dire, on veut dire qu'il y a d'autres conventions auxquelles on a le libre accès, à n'importe quel âge, à n'importe quelle opportunité, enfin. Et puis comparer aussi, les conventions comme la Fantastic, comme la VL et tout, ça se passe une fois par an. Les conventions de manga, de cosplay, tout ça, c'est pareil. Toutes les conventions se ressemblent. Une autre chose aussi que j'ai à vous dire, que ce soit convention furry ou convention comme la Japan, tout ça, enfin, on voit la Japan, c'est un peu pareil. Mais surtout en particulier pour les conventions furry, il faut arrêter de se dire on va pas être accepté là-bas parce qu'on n'a pas de costume. Je vais vous dire, je suis allé la première fois moi à la Fantastique, même à une petite limite avant la Fantastique. Et après, quand je suis allé à la Fantastique, je n'avais pas de déguisement. Encore une toute petite queue, mais je n'avais pas de déguisement. Et ça fait pas de. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir de costume pour participer. Moi-même, j'ai pas de fursuite. C'est pas trop compté comme fursuite que j'ai en ce moment. Mais je n'ai pas de fursuite. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faut pour pouvoir en avoir une. Mais quand vous allez à une convention, ne comptez pas sur votre fursuite. Vous n'avez pas tout le temps, là, vous vous promenez, vous douchez, vous n'allez pas vous inquiéter à y aller sans fursuite. La fursuite, c'est entre guillemets une option, moi je vais dire. Mais c'est vrai que d'un côté, ça fait un petit peu la valeur de la convention. Mais ce n'est pas pour autant
obligé. Il faut se dire ça, ou ensuite, c'est pas obligé. Faut bien admettre ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, à vous conseiller tout ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Hein. Et puis, bah, avec tout ça, j'espère que vous avoir un petit peu aidé. Et j'espère que d'ici là, vous vous embêterez pas trop pour ce qui se passe en ce moment. Je fais un petit peu ce petit topo là, même si je voulais pas trop en parler, mais voilà. Bon, bah, sur ce, je vous dis bah, à très bientôt. Tchuss les gens!